Bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct du groupe Courir Serein. Et ce soir, comme j'en avais parlé un petit peu au début, en après-midi, je vais répondre à une question de Thierry qui prépare un marathon. Et ça s'intitule Courir quand il fait chaud ou impact de la chaleur sur tes entraînements et aussi sur tes performances. Alors, si tu es en direct et que tu me suis, que tu veux laisser un petit message ou tu as une question à poser, que tu es dans le groupe Courir Serein, non pas sur la plage, en train de siroter un apéro, quelque chose comme ça, t'hésite pas, tu laisses un petit mot et j'y répondrai avec très grand plaisir. Alors, je continue dans cette vidéo. Donc, je vais te parler du cas de Thierry qui prépare un marathon. Et quand tu sais, quand tout roule, c'est facile de se dire que tu fais ce qu'il faut en entraînement et que tu fais les bonnes séances. Mais quand ça va moins bien, parce que forcément, à l'entraînement, tout ne se passe pas très bien. Il vaut mieux d'ailleurs que ça se passe moins bien à l'entraînement qu'en compétition. Tu dois analyser ce qui n'a pas marché et trouver les causes. Ça va te servir à mieux rebondir. Alors voici le message de Thierry. Bonjour JM. J'ai réalisé comme prévu mon semi-marathon de la semaine 4 du programme Marathon Réussi. Le résultat est très décevant, et comme tu peux le constater ci-dessous, donc il m'a envoyé des graphismes. Et ce qu'on en retient, c'est que les 5 premiers kilomètres, il a tenu l'allure marathon qui lui était préconisée. Et ensuite, il a totalement explosé. Trop chaud, pas de jus, jambes lourdes sur la fin. Arrêt continuel pour reprendre son souffle. Il faisait trop chaud, son cardio est monté très haut dès le départ. Alors, quand il parle de faire très chaud en course à pied, on va revenir après là-dessus, parce qu'il m'a répondu entre-temps, pendant que j'avais rédigé, préparé cette vidéo, mais aussi l'article qui est sur testeur sur Renier et Trypon. On va d'abord voir ensemble l'impact de la chaleur sur tes performances sportives lorsque tu cours quand il fait chaud. Alors, de nombreuses études en attestent, hein, comme celle de l'INSEP de Paris qui a été faite en 2012 par Nour El-Loum et Muriel Taffi et Enco. Ils étaient beaucoup plusieurs, ils étaient plusieurs sur cette étude et c'est une grosse, grosse étude qui est sortie. Elle s'est basée sur le résultat des courses de 6 marathons dans la période de 2001 à 2010. Alors, tu vois les données qu'il va y avoir. Les 6 marathons étaient Paris, Londres, j'ai pris des notes, Berlin, Boston, New York et Chicago. Donc, six très gros marathons. Et les données récoltées ont été tout simplement gigantesques. 1 791 790 pour être précis. Et tu vas voir que les résultats ont été surprenants, notamment en ce qui concerne les résultats de ces études. Cette première étude montre que la température idéale pour courir un marathon est autour de 3 degrés. Hein, tu écoutes bien, 3 degrés pour les 1% les plus rapides du marathon, ceux qui tournent aux alentours de 4 minutes au kilomètre. Et que la température idéale est de 6 degrés pour le coureur qui termine exactement au milieu du peloton, donc le coureur médian, on va dire, avec une allure de 6 minutes au kilomètre. Il y a aussi, alors ça m'a surpris ces résultats parce que tu vois, je trouvais qu'il faisait, je voyais plutôt la température aux alentours de 10 degrés, 10, 15 degrés, quoi, la température idéale pour courir. Et là, on est encore en dessous. Et donc, du coup, j'ai cherché d'autres études qui vont soit dans ce sens-là, soit qui vont un peu à l'opposé. Et je suis tombé sur une étude qui a été parue en 1989. Et là, elle n'est pas française, cette étude, c'est celle de Trabasso, LM, Cooper, JD et N. Bidmentorol. Bon, grosso modo, des noms à coucher dehors, hein, des noms anglais. Et elle s'est pratiquement, principalement articulée autour du marathon de Boston. Et là aussi, il a été admis que les conditions idéales pour de meilleures performances en course à pied sur le marathon de Boston, c'était sur des températures fraîches aux alentours de 7 à 8 degrés, voire un peu moins, et un ciel couvert. Donc, ça veut dire que le soleil ne tapait pas directement et qu'il était filtré par les nuages. Voyons maintenant ensemble pourquoi ils en sont revenus et pourquoi c'est qu'on peut déduire de ces études-là. Hein, il y a aussi d'autres études, je ne les ai pas marquées, mais d'autres études aussi qui ont été faites et qui se rapprochent de ces résultats-là. Pour un exemple, pour, je te citer un exemple, pour un marathon, pour un coureur plutôt qui un marathonien qui court le marathon en 3 heures, il voit ses performances diminuer de 10% dans les conditions les plus difficiles, c'est-à-dire par exemple lorsqu'il fait très chaud. Et c'est un peu la faute à ton hypothalamus. L'hypothalamus contrôle la chaleur, plutôt la température corporelle, et quand celle-ci augmente, du coup, comme lorsque tu cours, tu vas mettre en place des processus afin d'évacuer le surplus de chaleur. Mais aussi, hein, l'hypothalamus, il sert également à réguler ta température et à la maintenir dans la zone plus ou moins constante de 38-39 degrés, la chaleur de notre corps, comment on fonctionne. Donc,
très important. Si vous avez des questions, je vois qu'il y a plusieurs qui participent, qui sont dans la vidéo. Si le son est bon, déjà, vous pouvez me le dire en laissant un petit commentaire. Je pense qu'il est très bon. J'ai mis mon casque ce coup-ci, il ne faut pas me faire avoir. Et si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec très grand plaisir. Je continue donc. Je reviens sur une histoire d'hypothalamus. On va arriver à parler de thermorégulation. Alors, tu en as certainement entendu parler, mais ce qui suit, probablement moins, pardon. C'est pour ça que tu dois écouter attentivement pour bien comprendre ce qui va suivre. Et pourquoi ton hypothalamus va surtout être influencé par le gradient de la thermorégulation. Ce dernier correspond tout simplement à la différence entre la température corporelle et la température environnante. Et là, tu as deux cas de figure qui se présentent, notamment le premier, c'est lorsque la température extérieure est basse, comme ici, par exemple, dans les marathons, que je t'ai parlé dans les études, 7, 8 degrés, voire 6 degrés, ou même voire 3 degrés pour la température idéale pour courir un marathon. Le gradient est important et les mécanismes, c'est-à-dire que le gradient est important, c'est-à-dire que la température corporelle de ton corps, 38, 39, et la différence avec les 6, 7 degrés, très important, une différence très importante. Du coup, les mécanismes de thermorégulation fonctionnent au ralenti et ne nécessitent que très peu d'énergie pour le fonctionnement. Autrement dit, l'écart entre la température corporelle et la température extérieure étant très important, cela va faire que tu vas pomper moins d'énergie, ton corps va demander moins d'énergie, et du coup, l'énergie que tu vas utiliser ne va pas engendrer, ne va pas ralentir ton fonctionnement, ou plutôt les efforts que tu vas fournir. Par contre, quand la température extérieure est importante, ce n'est plus la même limonade. Quand le gradient de thermorégulation constate que cet écart devient très faible, les mécanismes de thermorégulation sont alors en alerte. C'est-à-dire, par exemple, à l'extérieur, il fait 38, enfin, température corporelle 38-39 degrés, mais la température extérieure est plutôt aux alentours, on va dire, de 30 degrés. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ton corps, lui, a besoin d'avoir beaucoup d'énergie pour justement réguler ces mécanismes de thermorégulation. Et c'est alors autant d'énergie qui ne pourra pas être utilisé pendant ton effort, pendant ton marathon ou pendant ta session de course à pied. Et à ce moment-là, ton corps, il lui reste deux options aussi pour abaisser cette température. Soit tu vas ralentir ta cadence et ton allure de course afin de réduire justement cette production de chaleur, ou bien tu vas utiliser une source artificielle comme l'immersion dans de l'eau froide, donc en course à pied, c'est pas très pratique, la glace encore moins, ou l'hydratation. L'hydratation va te permettre de diminuer un petit peu ces phénomènes de chaleur. Donc, courir quand il fait très chaud, tu n'as finalement pas trop le choix. Tu es bien obligé de ralentir le tempo sous peine d'exploser plus rapidement. En résumé, et c'est malheureusement parfois le cas, les conditions extérieures et qui sont totalement indépendantes de toi dictent aussi si tu peux ou pas améliorer tes chronos. Et quand il fait très chaud, il est très compliqué, voire impossible, de viser son meilleur chrono. Alors, je reviens voir si j'ai des commentaires ou pas, toujours pas. Donc, je continue mon exposé. Et c'est ce phénomène hein, qui s'est produit très certainement pour Thierry pendant sa course préparatoire. Ça, c'est vraiment ma première explication. Et je vais te dire un petit truc. Nota, entre-temps, Thierry m'a annoncé qu'il avait couru par 32 degrés. Ce que je ne conseille pas du tout de faire, surtout sur une sortie longue comme il a fait, ça peut être aussi dangereux pour ta santé. Surtout quand tu t'entraînes dans ces conditions, ça ne sert à rien. Parce que, en fait, il n'a pas pu ou il a eu du mal à aller au bout de sa sortie. Il devait faire de l'allure marathon et il s'est mis à marcher. Donc, qu'aurait-il dû faire? Alors, c'est vrai que c'est compliqué, ça peut être compliqué, surtout que si tu te lèves tôt, que tu pars courir et qu'il fait déjà très chaud, soit tu anticipes ta séance ou soit tu la reportes au lendemain ou un ou deux jours après. Soit tu la scènes en deux. Par exemple, le matin, tu peux faire très tôt une première sortie, justement avec de l'allure marathon, pardon, tant que la température extérieure n'est pas trop chaude. Et le soir, tu fais une deuxième sortie en endurance. Ou alors, tu fais un mix, par exemple, entre du vélo et de la course à pied. Il y a beaucoup d'autres possibilités comme ça que je dévoile dans le programme Marathon Réussi. Ou alors, quand tu es confronté à un tel cas, que tu es dans le programme, hein, il te suffit de me contacter soit par mail, ou pendant une séance de permanence téléphonique qui a lieu actuellement, donc je n'ai pas reçu le coup de téléphone, enfin, si j'en ai reçu deux, mais avant de diffuser cette vidéo en direct. Et on peut à ce moment-là discuter, voir ce qu'on peut faire comme aménagement dans ton programme d'entraînement. Ensuite, il ne faut pas perdre les buts recherchés par une course préparatoire. Et pour toi, ça tombe bien parce que la course préparatoire, c'est l'un des sujets que je traite dans le numéro
de l'entraîneur de ce mois-ci, numéro que je vais envoyer d'ici quelques jours. Et je vais te dire notamment quand placer tes courses préparatoires et à quelle allure tu dois les courir. Parce que c'est très souvent un gros dilemme. Connaître le bon moment pour caler cette course préparatoire dans ton planning, bien sûr, en vue d'un objectif précis. Et ne pas perdre de vue que la course de préparation impose de scinder son plan d'entraînement souvent en deux parties. Une partie préparation plus globale, plus longue, car il faudra bien programmer par exemple un petit peu d'allègement de ton entraînement avant cette course, puis quelques jours de récupération après coup. Tu ne vas pas placer par exemple une séance de VMA un jour ou deux jours après avoir fait cette course préparatoire qui sont souvent des sorties assez longues, notamment dans le cadre du marathon, où c'est commencé à approcher des 2 heures ou des 2 heures et demie de course. Donc, je te le montre dans ce numéro d'entraîneur, comment ne pas hypothéquer le reste de ta préparation lorsque tu décides d'englober une ou deux courses préparatoires. Et je te donne aussi mes conseils, mon hack pour courir cette course de préparation sans te mettre dans le rouge si tu as l'esprit compétiteur comme moi. Donc, Nat, tu as tout à fait raison, les courses fraîches tôt le matin, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est vrai que c'est pas évident quand tu as une sortie longue à placer et ça oblige à se lever parfois un peu tôt. Par exemple, si tu veux prendre ton petit déjeuner avant et donc avoir une heure et demie, deux heures de battement avant d'aller faire sa sortie longue. Donc ça demande quelques aménagements à faire. Mais on peut très bien la scinder à deux et ça va fonctionner tout aussi bien. Ensuite, pour revenir à l'entraîneur, je vais te montrer aussi le seul graphisme à regarder quand tu as fini ton entraînement. Beaucoup de runners adorent regarder leurs entraînements sur leur montre GPS ou sur leur application. Une fois la séance finie, tu sais, tu as plein de graphismes, tu as des coloris, du rouge, du bleu, c'est magnifique. Mais très rares sont ceux qui arrivent à comprendre et à utiliser ces graphismes et parce qu'ils ne sont pas là uniquement pour faire joli joli ces graphismes. Ils t'aident aussi à t'améliorer à la condition que tu saches quoi regarder et que tu l'interprètes correctement. Je te montre un graphisme très important et comment le déchiffrer en quelques secondes. Rien que celui-ci va t'aider à savoir si tu as bien couru et si l'objectif de ta séance a été respecté. Donc, je t'ai marqué en dessous de ce lien, ci-dessous, les différents programmes dont je te parle dans cette vidéo. Et donc, il te suffira à ce moment-là de cliquer dessus et si tu as des questions à me poser, tu peux le faire maintenant, j'ai fini de faire mon speech. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le faire. Que ça tourne sur les sorties longues, sur l'impact de la chaleur, comme on vient de voir maintenant, ou sur d'autres sujets, n'hésitez pas à le faire en dessous de cette vidéo. Je sais que beaucoup de personnes ne sont pas encore rentrées, ou qui sont plutôt toujours en vacances, par rapport justement, parce que on est dans le groupe Courir Serein et donc, très peu de monde sont connectés en ce moment même. Même si je vois qu'il y a plusieurs personnes qui regardent ça, si tu as des questions à poser maintenant, c'est le bon moment pour que j'y réponde. Que ça concerne bien sûr ton entraînement de maintenant ou tes futurs entraînements passés. Donc, voilà ce que j'avais à te dire. Si pas de questions à ce moment-là, on se retrouvera dans une autre audio ou vidéo pour le groupe Courir Serein ou sur YouTube, pourquoi pas, ou lors d'une prochaine conférence. Ah oui, conférence pour les membres de Rubik, l'entraîneur et membres premium, la semaine prochaine, je pense que ça va être jeudi soir, donc la fin du mois d'août, autour du sujet. Je l'ai noté quelque part, ce sujet de que je vais vous parler. Ah oui, je vais vous parler des reprises après blessure, et notamment d'une checklist que vous allez avoir à mettre en place et des petits trucs à rayer pour savoir si vous pouvez reprendre dans de très bonnes conditions ou pas, ou s'il faudra attendre un petit peu pour une reprise en course à pied. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi en direct pour cette vidéo. Je vous dis donc à une prochaine. Bon run et bye bye.